Avant que les enfants se lèvent, je vous montre mon salon. J'ai tout rangé hier. Je me suis dit, voilà, au moins il sera propre pour la journée. Puisque je reste avec les enfants, il y aura juste Biden. Mais vu qu'ils vont venir, qu'ils vont regarder la télé et tout, je me suis dit, il faut absolument que je vous montre avant. Regardez, tout propre, tout beau. On en reparle à la fin de la journée. Mais voilà, en tout cas, je suis hyper contente. Je l'ai bien nettoyé. La salle à manger, il y a juste du bazar là-bas sur la coffee corner. Là, c'était Maddy hier qui a dessiné. Mais sinon, voilà, hier, c'est Walid et Noé qui ont tout rangé ici. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Bref, je vais préparer le petit-déj et puis je vais aller réveiller mon petit Tayden. Regardez la real life. Vous entendez ce qu'il y a dedans? Il doit y avoir un demi-centilitre, même pas. Regardez, je prends un verre, on va voir. Je sais pas qui c'est qui allait me remettre ça dans le frigo alors qu'il y a littéralement plus rien dedans. Et ça, c'est un truc, ça m'énerve. Regardez. Voilà. Il restait ça dedans. Franchement, il doit y avoir même pas 2 millilitres. Et ils m'ont remis la bouteille dans le frigo. Je suis deg. Du coup, je vais pas faire les pancakes avec du lait. Je vais les faire avec de l'eau. Parce qu'on peut faire soit l'un, soit l'autre. Avec le lait, c'est meilleur, mais vu qu'il n'y a plus de lait. Je vais les faire avec de l'eau et j'irai racheter du lait. C'est pas grave, tant pis. Du coup, pour graisser la poêle, je vais mettre ça. C'est un spray d'huile. Franchement, c'est trop bien. J'en ai un, l'huile d'olive, mais vu que l'huile d'olive, ben, ça goûte l'huile d'olive. Du coup, je mets celui-ci. C'est de l'huile de canola. C'est un peu comme l'huile de tournesol, en gros. Ça n'a pas vraiment de goût. Et pour la poêle, j'en prends une comme ça parce que j'ai ma crêpière. Mais le problème, je vais vous la montrer. Le problème de ma crêpière, c'est que déjà, elle est vieille. Mais elle est, je sais pas si vous allez voir comme ça, je pense qu'on se rend pas compte, elle est un peu incurvée, genre, elle est pas complètement plate. Ici, là, il y a un espèce de... on voit pas. Genre, en gros, ça fait comme une bosse. Donc quand tu mets tes pancakes, ils ont tendance à tomber, vous voyez, et là, ça fait plein de grillés que j'arrive pas à enlever. Il faudrait que je l'enlève avec du produit Shogun, je pense. Mais ça passe au lave-vaisselle et tout, vous voyez, ça part pas. Et en fait, le pancake part sur le côté et du coup, il est tout moche. Donc celle-là, elle est bien plate, bon, c'est pour ça que je vais faire là-dedans. Je vais attendre que ça chauffe. Et j'ai préparé ça et ensuite je leur sers du coup avec des fraises, des bananes et du sirop d'érable. Regardez cette petite boîte sirop d'érable, elle est pas trop belle. Franchement, trop mignonne. J'aime trop le sirop d'érable.
Alors, celui-ci est extrêmement bon. On l'avait acheté quand on était parti faire les pommes. Donc, c'est directement au verger. Je suis en train de me rendre compte que tout à l'heure, je parle et il y a le chauffage qui souffle à côté. J'espère que c'est pas dérangeant. Mais voilà, bref, en tout cas, j'en ai pas retrouvé des comme ça dans les petites boîtes. Parce que je crois que j'en ai offert aux gens. Mais c'était dans un pot de sirop d'érable basique. Mais là, dans la petite boîte, je trouve trop mignon. Et pendant que j'y suis, je vais vous montrer. Attendez, j'ai pris à la Réunion, pour celles qui n'auraient pas suivi mes stories sur Insta, j'ai pris un sirop comme ça d'ananas. Donc en fait, c'est comme le sirop d'érable en gros, mais là, ça va être goût ananas. Et j'ai pris à la vanille un sirop de vanille. J'ai pas encore ouvert, mais je pense que c'est excellent. Vraiment, je pense que ça doit être incroyable. Et je vous avais montré du coup tous mes achats de la Réunion sur Insta. Et si jamais vous les avez pas vus, je les ai laissés en story à la une dans Réunion. Mais après, la story à la une Réunion, elle est bien bien pleine. Je vous le dis, hein, y a tout. Il y a tout ce que j'ai fait, les activités et tout et tout. Mais du coup, ouais, tous les achats, parce que j'en ai fait énormément là-bas. J'ai rafalé, franchement, je sais même pas pour combien j'en ai eu. Mais je voulais vraiment gâter ben, mes enfants, mes proches, mon mari et tout. Donc j'en ai vraiment pris énormément. Et j'ai fait tout un haul sur Insta. Bref, en tout cas, il y a ces deux sirops là. Bon, aujourd'hui, on va pas les tester. Je ferai avec des vrais pancakes que j'aurais fait moi maison, pas juste une poudre comme ça. Mais je pense que ça doit être incroyable. Surtout celui-ci à la vanille, spécialement de la vanillerie en plus. Magnifique. Bon, ça y est, mon petit Hayden, ça va mieux. Ça va mieux? Tu es moins énervé? On a patienté 5 minutes. Maintenant, il est d'accord pour manger, s'habiller et y aller. Des fois, il suffit juste d'attendre. Mais c'est vrai que des fois, on n'a pas le temps d'attendre. Et eux, ils sont en pleine crise. Mais ça va, aujourd'hui, on avait le temps. On est un peu en retard quand même, hein. Il est 9h26. Il va y aller à 10h. C'est un peu abusé, mais c'est pas grave. Au moins, il a pris son temps et il n'y va pas énervé surtout. Regardez-le, il regarde son truc de camion, il est à fond. C'est bien? Oui? Regardez qui vient d'arriver. Monsieur m'a dit, regardez ce qu'il a dans la main. Monsieur.
On va mettre le parfum. Je leur mets celui-là. Je l'avais déjà montré. C'est la brume pour le corps. Vanille Bourbon de chez Yves Rocher. Elle est incroyable. Elle sent la poupée Corolle. J'aime trop. Aiden, go. On va mettre les chaussures. Vas-y, montre-nous comment tu mets bien la veste. Waouh, regardez-moi ce grand garçon. Bravo. Est-ce que tu sais fermer ta veste tout seul aussi? Oui. Tu nous montres? Oui. Voilà, allez. Ferme ta veste comme un grand. Vas-y. Montre-nous comment tu sais bien faire. Et B. Le grand. Allez, on va mettre un bonnet pour pas avoir froid. Vas-y, montre-nous. Vas-y, Danao. Bravo. Hop. Il dit, je suis un petit ourson. Un petit ourson. Ça y est, je suis rentrée. Regardez-les les deux. Direct devant la télé. Pour regarder. C'est quoi que vous regardez? Fortnite. Un truc Fortnite. C'est des gens qui jouent? Vous allez manger le déjeuner là? Allez, on arrête les écrans. On va faire les crafts. Let's go. On va se caler là avec Maddy. Tu voudras jouer tout à l'heure dans la neige avec les moules, hein? Du coup, je vais vous montrer ce que Maddy il a pris parce que, en fait, aux États-Unis, je sais qu'ils ont l'habitude de se donner des cadeaux, les enfants, pour la Saint-Valentin, en fait, entre eux. Et l'autre fois, quand je suis partie chez Walmart, je me suis dit, oh, purée et tout, mais peut-être qu'au Canada c'est pareil. Je vous ai demandé et vous êtes beaucoup à m'avoir dit que oui. Donc, du coup, bah, avec les petits, Noé va pas le faire parce qu'il est trop grand, mais Aiden et Maddy vont le faire. Donc, chacun est allé choisir les cadeaux qu'il veut donner aux enfants de sa classe. Donc, Maddy, il a choisi ce gros paquet de sucettes. Il a choisi des autocollants pour les garçons Spider-Man et pour les filles Barbie. On a choisi des petites cartes comme ça, cœur, pour offrir à ses amis. Donc on a choisi rouge pour les garçons et rose pour les filles. On a pris également des crayons. Comme ça, c'est juste des crayons gris avec des gommes cœur. Et vu qu'à l'intérieur, on n'a que 12 et qu'ils sont plus que 12 dans sa classe, bah, du coup, on a dû prendre deux packs. Et ensuite, des petits sachets comme ça avec des cœurs pour pouvoir mettre les cadeaux qu'il va donner à ses amis. Et là, on a Noé le rat-loup qui va... Ben oui, mais tu vas pas faire autre chose que les écrans, ça c'est clair et net. Donc lui, va faire le lave-vaisselle comme tous les jours vu que c'est son rôle. Et après... Parce que Noé, il n'y a plus d'œufs et il n'y a plus de lait. Donc les crêpes, tu comptes les faire comment s'il n'y a ni lait ni œufs? Et t'as mais on va aller les acheter, mais là, moi, je suis avec Maddy. Allez, Maddy. C'est la vaisselle, Noé.
speak the truth. Say you're sorry, hear her out. You're too proud, like a child. You think time will tell and sort things out, but you know well a sigh, it never will if you don't. It never will if you don't. Let it sink into your mind, to your heart and your bones. 'Cause I know deep down inside, keep it real, try to focus, what's the deal? Don't say it's hopeless, remember the good times. Is it worth fighting for? Silly you, why is it so hard to be real? Speak the truth, you say you're sorry. I don't know why you're too proud to work it out. You think time will tell and sort things out, but you know well that I never will if you don't. You never will if you don't. Let it sink into your mind, to your heart and your bones. Allez, ça y est, c'est bon, on a fini du coup les petits sachets. Ceux avec la carte rouge, ça va être pour les garçons, et ceux avec la carte rose, ça va être pour les filles. On voit pas trop bien les prénoms. J'espère que Maddy va s'en sortir. Je pense que son enseignante va l'aider. Mais voilà, il nous reste du coup deux sachets ici parce qu'il ne se souvenait plus les prénoms de deux filles de sa classe. Il a eu un trou. Donc demain, il va leur redemander, ou je pense que ça va lui revenir, et on les écrira et je les fermerai du coup. Mais voilà ce que ça donne. Bon, c'est hyper simple. J'en ai pas vraiment, mais vraiment pas eu pour cher. Dolorama, c'est comme Action. Et vous avez tout entre 1 et 5 dollars, en sachant que le dollar canadien est plus faible que l'euro. Par exemple, un petit sachet comme ça, sachant que je suis allée chez Dolorama et chez Walmart, et même chez Walmart c'était pas cher, un sachet pour un enfant, si ça me revient à 1 dollar déjà, c'est vraiment extrapolé, je pense que c'est moins. Et donc du coup 1 dollar c'est pas égal à 1 euro, je crois que c'est 60 centimes, oui c'est ça. C'est dans ce sens-là. C'est 60 centimes, donc ça m'a fait, ouais, même pour extrapoler, 1 euro par sachet, franchement. Comme je vous ai dit, je pense que c'est moins. Mais franchement, ça valait grave le coup. Je vais ranger tout ça, parce que du coup, Maddy, il a choisi... Ah, je vous ai pas montré ce qu'il a pris pour son enseignante. Il a choisi ce gros sac pour pouvoir mettre tous les petits sachets pour ses amis. Parce que du coup, il prend le bus, lui, le matin. Donc il va devoir prendre son sac dans le bus pour amener à ses amis le jour de la Saint-Valentin. Tous ces sachets, donc je vais tout ranger à l'intérieur et je vais vous montrer ce qu'il a choisi aussi pour son enseignante. Another day to drive, to get by, and ooh, yeah, I'm feeling now every second, every hour.
il a choisi un porte-clés avec un cœur et une petite breloque ici. Bon, bref, très basique. Et une rose en chocolat. Voilà. Je sais pas si elle va la manger ou si elle va la garder comme ça. Là, on voit beaucoup mieux le petit cœur et la rose. Vous avez du coup chocolat ici. Et après, ça fait comme une tige, une fausse tige. Donc du coup, voilà. Il va lui offrir ça. On va poser ça directement dans le sac ici. La petite carte et voilà, pour ma vie c'est réglé. Donc comme on est lundi, je dois faire ma liste de menus de la semaine. Du coup je vais m'occuper de ça et maintenant ce que je fais, c'est que j'ai téléchargé une application de ChatGPT que je paye. En plus c'est cher quand même, genre c'est 7€ par mois, mais avec, bah du coup hein, on profite, je vais lui demander qu'il me trouve le menu de la semaine, comme ça ça évite que je me casse la tête comme je faisais avant, et s'il y a des trucs qui me vont pas, bah, je lui demande d'autres menus. Peux-tu me trouver 7 plats pour des menus de la semaine pour une famille? Donc du coup ils vont me donner cette idée, je vais vous dire ça. Donc il me dit lundi spaghetti bolognaise avec salade verte, mardi poulet rôti avec des légumes grillés, mercredi tacos au bœuf avec du riz et des haricots, jeudi pizza maison avec différentes garnitures, vendredi poisson grillé avec des pommes de terre au four, samedi poulet curry avec du riz basmati et dimanche lasagne aux légumes avec salade César. Peux-tu me donner 4 autres idées de plats? Comme ça, ça me fait un peu varier. Alors, donc poulet teriyaki avec du riz, pâte à la carbonara, chili con carne, saumon grillé avec purée de patates douces et asperges. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Déjà, je vais marquer, il faut que je fasse du saumon. Donc, saumon, pommes de terre et asperges, j'en ai pas. Avec quoi je peux rajouter? Saumon, pommes de terre, courgettes, j'en ai pas. Parce que je voulais pas faire les courses aujourd'hui. Ça va être pour ce soir, je pense, parce que j'ai du saumon qu'il faut que j'aille faire décongeler. Qu'est-ce que j'ai? J'ai plus trop de légumes, je crois. Je vais faire des haricots. Non, j'ai plus de haricots, je vais faire des brocolis. Avec brocolis. Donc ça, c'est pour lundi. Mardi, ça va être tacos Tuesday. Mercredi, dans tout ce qui m'a mis. Spaghetti, j'ai déjà fait. Pizza. Franchement, je sais pas, je vais faire le poulet curry. Même, je vais faire du poulet au beurre, en vrai. Avec des nanes. Et des courgettes au curry, je pense. Pour faire le côté des légumes. Ensuite, il me faut jeudi. Il était déter, je viens de voir lasagne aux légumes avec une salade de César. Alors pour moi, ça c'est deux plats différents. Poulet teriyaki. Maintenant, je trouve ça va ressembler au poulet. Je peux faire, ouais, chili con carne. Ça fera deux fois mexicain, mais c'est pas grave. Chili con carne. Poulet rôti, on l'a fait la semaine dernière. Pizza. Moi, je peux pas faire pizza. Vendredi, pizza à l'âne. Et là, il me manque samedi. Peux-tu me donner encore 3 plats avec du bœuf? Je vais vous dire ce qu'il me dit. Alors, bœuf bourguignon, pommes de terre, carottes, steak grillé avec sauce au poivre et frites et tacos de bœuf avec une garniture de légumes frais. Mais du coup, ce que je vais faire le steak grillé avec des frites et du coup salade à côté. Et en dernier, je suis en train de penser, vu qu'il m'a mis bœuf bourguignon, je vais faire bœuf aux oignons. J'ai mis à dimanche, mais je vais changer. Voilà, bœuf aux oignons, parfait. Et du coup, avec ça, je vais pouvoir faire ma liste de courses. Et je pense que j'irai demain. Comme ça, je suis tranquille pour aujourd'hui. Même si aujourd'hui, j'ai besoin quand même de racheter des œufs et du lait parce que Noé voulait faire des crêpes. Est-ce qu'on ne ferait pas des crêpes au jambon? Je vais faire crêpes au jambon. Et du coup, je vais enlever le tacos chaussé. Ouais, crêpes jambon pour ce soir. Crêpes au jambon. Voilà, parfait. Vous voyez comme quoi l'intelligence artificielle, ça peut grave aider. Là, il est 13h35, il me reste quelques temps. Il faudrait que je me maquille, je pense. Je sais pas si je me maquille. Parce que j'ai rendez-vous, si je vais me maquiller quand même, pour avoir une assez belle peau. Je vais aller me maquiller, ensuite je ferai ma liste de courses. Quand j'ai fini mon rendez-vous, ben, je pars faire les 3 courses qui me manquent là pour que Noé fasse ses crêpes. Et puis voilà, allez, let's go. On m'a dit à manger son repas. C'est la quiche d'hier. Noé, tu manges ou pas? Non. Non, Noé mange pas. M'a dit, tu veux de la salade ou tu veux pas la salade? La salade. Hello.
ça va? Ça va et toi? Oui. Bon, j'ai fini mon point, mon rendez-vous que j'avais du coup en visio qui a duré 45 minutes. Et là maintenant, tant qu'il n'y a pas les enfants et tout, ils sont en haut avec Walid en train de jouer à la play, qu'il n'y a pas trop de bruit, qu'au final du coup je me suis maquillée, bah, je vais filmer un réel, je vais vous montrer. C'est hyper simple, là c'est un réel face cam. J'ai posé le téléphone sur mon gobelet, j'ai mon petit papier parce que du coup ça va être un réel, qu'est-ce que j'ai dépensé. Et bah, du coup je vais vous montrer, hein. C'est hyper simple. Après j'ai des réels qui sont quand même plus compliqués à faire. Où j'ai besoin de bouger les angles, etc., avoir le trépied. Mais là, pour le coup, ça va être juste en face cam. Et il y a certains plans que je vais rajouter. Donc du coup, je vais filmer mon réel. On se retrouve aujourd'hui pour la trend. Qu'est-ce que j'ai dépensé en une semaine? Du coup, on va commencer par lundi, qui a été mon plus gros jour où j'ai fait le plus d'achats. Je tiens quand même à préciser que j'ai fait les courses pour 10 jours. Il est 15h. Ouais, 15h20 même. Là, je vais me faire mon repas parce que du coup, je peux pas manger ce midi. Et je vais regarder la vidéo de Matou Mata, la décoration de Saint-Valentin. Moi, cette année, j'ai pas fait parce que franchement, j'étais pas là ces derniers jours, j'étais crevée et tout. Et là, j'ai trop hâte. Ça a l'air trop bien ce qu'elle a fait. Elle a même fait une recette et tout dedans. Bref, je vais me regarder ça et je vais préparer mon petit pancake. I keep running.
fade into this bitter taste. I think I'll let it be. Je viens de finir la vidéo de Mathilde et je viens de finir mon repas aussi. Il me reste un tout petit peu de concombre, je vais finir après. Il est presque 16h, je vais aller récupérer Aiden et là je suis en train de lui laisser un commentaire et je me suis dit, je vais vous faire une partie dans la vidéo pour vous le dire. Vraiment, les commentaires, ça nous va droit au cœur, vraiment. Et ça, comment dire, avec l'algorithme, ça nous aide. Au plus vous commentez et vous mettez j'aime, même sur les vidéos YouTube, au mieux ça, bah, ça nous aide pour notre travail en fait. Parce que du coup, YouTube va plus montrer la vidéo à des nouvelles personnes, les gens vont s'abonner, etc. Donc vraiment hyper important. J'avoue que même moi, je le fais pas tout le temps, je regarde beaucoup de vidéos et je mets pas forcément de commentaires, d'autant plus pour les américaines. Mais oui, j'ai toutes mes copines de YouTube, donc Mathilde, on va avoir Aziza, on va avoir Iman, on va avoir Karima, Baisana, Zia, toutes ces filles-là. Et je pense que j'en oublie, il y a Annie Bailey, ma grande copine Anissa, donc Annie Bailey. Il y a vraiment vraiment beaucoup de filles qui font le même type de vidéo que moi et même ceux qui font pas le même type de vidéo que nous, genre gros big up Yanissa XOXO, je l'aime trop, mais en bref c'était pas le sujet. Ça aide vraiment les commentaires, je vous promets les filles. Des fois on n'arrive pas à vous répondre, mais moi j'essaie de mettre des cœurs à tout le monde et tous mes commentaires sont en approbation. Donc si le commentaire il est vu, enfin il est mis en public, c'est que je l'ai approuvé et que je l'ai lu, et je vous jure ça fait trop trop chaud au cœur. Et il y a plein de fois ce que je fais, c'est que je fais des captures de vos messages et je les mets dans ma story, mais franchement ça fait trop plaisir. Et du coup là, vu que j'allais lui mettre un commentaire, je me suis dit que c'était le parfait moment pour vous dire n'hésitez pas à commenter, ça nous fait toujours plaisir et ça nous soutient et ça nous aide. Et je vous jure c'est trop important, ça prend 5 minutes, c'est gratuit, et même s'abonner c'est gratuit et ça fait trop 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 plaisir. Du coup je vais lui laisser un petit commentaire, j'ai un coup de cœur pour son Coffee Corner et je savais même pas que Flying Tiger faisait des livraisons quand j'étais en France. Je suis dégoûtée, genre là elle a montré son haul, il était trop beau, genre j'étais en mode ouh. Bon je sais que j'ai les mêmes choses ici maintenant du coup donc c'est pas un problème, mais je me dis purée, quand j'étais en France j'avais su tous les trucs que j'aurais pu acheter chez eux, que je galérais à devoir chercher sur Amazon, des trucs comme ça. Je suis deg d'avoir pas su ça avant. Bon bref, en tout cas je vais laisser mon petit commentaire. Bon, les deux chats ils sont en train de regarder les écrans. Qu'est-ce que tu as, Maddy? Bon, ils sont en train de prendre le goûter. Et on a monsieur Aiden qui est rentré de l'école. T'es content? Pourquoi tu prends la photo? Je te fais une vidéo. Pourquoi tu me fais une vidéo? Pour qu'on te voit. T'es rentrée de l'école? Merci. J'ai un cabri. Va laver tes mains au savon s'il te plaît, Aiden. Maddy, il râle. Allez, va laver tes mains s'il te plaît. Je sais pas, va laver tes mains. Tu étais dehors et au magasin. T'as mis assez de savon là? T'es sûre? Moi je crois pas. Hein. Remets du savon, Aiden. Bon, ils sont en train de jouer en espérant que ça se chicane pas dans 5 minutes et demie. Noé, il est en train de finir la vaisselle et après il fera les crêpes. Moi je vais aller marcher un peu, je vais les laisser là, papa il regarde le foot, il va les surveiller. The
Bon, Noé va faire des crêpes avec le Thermomix. Il en avait déjà fait. Déjà, je vais avoir besoin de lait. Attends, il y a écrit déconnecter. Attends qu'il se connecte. Les œufs, il va te falloir la farine. Déjà, t'as lavé tes mains. Voilà. Depuis quand on commence la cuisine, on n'a pas été nettoyé. Pas la crêpe. Voilà. Donc, on va avoir besoin de beurre, de lait, de farine, œufs, pincés de sel. Il manque le beurre, va le chercher. Hop, voilà. Voilà. Il n'y en aura pas assez. Si, il faut que 50 grammes. Là, il y aura assez, je pense. Non, eh ben, tu vas le peser, tu vas voir. Regarde. 50 grammes de beurre coupé en morceaux, hein, donc il va falloir couper. Lis bien les instructions, parce que c'est la base du Thermomix, c'est qu'il y a les instructions, Noé. En bas, voilà. Allez, go. Tu peux mettre un morceau comme ça, vas-y. Alors, tu vois, ça fait déjà 10. Mais je paye tout. Il y a écrit combien de grammes là ? 42. Ouais. 48. Non, c'est bon. T'as pas à 2 grammes près, c'est pas grave. Et après, suivant ? Oui. Tourne jusqu'à là où ils ont dit. Ils ont dit jusqu'à combien ? 2.
Bon, comme d'hab, je vous montre du coup les boîtes à lunch. Alors pour demain, le midi, tous les deux, ils vont avoir pareil, donc des poivrons. Vous êtes beaucoup à me demander si les enfants mangent des poivrons crus, ils adorent ça. C'est... Et goûtez vous-même, hein, c'est hyper sucré. Le jaune, c'est le meilleur. Le rouge est très très bon, le vert non, mais rouge et jaune, c'est excellent. Ils ont de la poire, je vais rajouter du citron parce que je vois qu'elle est en train de brunir. Ils ont tous les deux un sandwich qui est mis du coup dans cette boîte là. Pour Maddy, il va avoir du fromage. Pour Noé, il va avoir du yaourt à boire. Je mets tout le temps fruits, légumes, laitage et un petit snack. Donc laitage pour Maddy, ça va être fromage. Et le petit snack, ça va être les chips, enfin les crackers de betterave. Ensuite, pour le matin, ça je vous le dis à chaque fois, ils mangent rarement le matin. C'est hyper hyper rare. Si ça arrive une fois par semaine, c'est déjà un truc de ouf. Donc vu qu'ils mangent pas le matin, en fait ils ont une collation qui est obligatoire à l'école et qui leur sert de petit déjeuner. Donc je leur ai mis du yaourt liquide comme ça, un peu comme un tout petit peu plus épais que du yaourt à boire, avec un mélange de fraises et de framboises, un petit peu de granola. Et j'ai rajouté pour les deux une barre, ils appellent ça une barre tendre, mais en gros c'est une barre de céréales. Pour Maddy il y en a moins, pour Noé il y en a plus. Et ensuite pour la collation de l'après-midi, donc du goûter, ils ont une compote. Et je regarde tout le temps à ce que ce soit sans sucre ajouté. Un petit truc de panda, donc ça c'est le petit côté sucré gâteau. Et du coup une clémentine. Pour Maddy je lui épluche, pour Noé il l'a comme ça. Donc du coup voilà, je vais tout ranger dans mon panier. Puis après ce sera bon pour demain. Bon, je vais terminer cette vidéo là. Je ne me suis pas bien placée, j'ai la lumière en plein milieu sur la tête. Mais bref, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vous l'avez vu, je suis restée en pyjama. Genre c'était vraiment la journée tranquille à la maison. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait ce style de vidéo. Vous êtes beaucoup sur Instagram à m'avoir dit que vous vouliez aussi en mode routine de ce que je fais comme travail, etc. Donc franchement ce sera avec grand plaisir. Dites moi en commentaire si vous le voulez aussi. En attendant la prochaine vidéo, du coup si vous êtes restée jusqu'à la fin, on va mettre des étoiles, des cœurs blancs. Et vous allez me dire combien vous avez d'enfants. Et si vous n'en avez pas, bah vous ne chuchotez pas d'enfants. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas, du coup, comme je vous avais dit, à commenter, à liker, à vous abonner, à partager. Ça nous aide énormément. Ça soutient notre travail et ça fait vraiment chaud au cœur. Et en plus de ça, comme je vous ai dit, ça soutient notre travail gratuitement. Donc voilà, j'espère que vous allez vous porter bien jusqu'à la prochaine vidéo. Moi, je vous fais plein de bisous.